Allez, salut tout le monde, ici iPlay4You, on se retrouve pour le 47e épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM. Allez, avec, vous allez le voir, un reset de mission parce que je rencontre un problème de stratégie. Je suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait dans l'épisode précédent. Du coup, plutôt que vous de proposer un épisode catastrophique, j'ai décidé de faire un reset sur cette mission. Et il faut savoir que c'est la mission finale et qu'on a le droit. C'est d'ailleurs la seule mission où on peut faire un reset. Tout le jeu a été fait en homme de fer. Et l'homme de fer fait qu'on a absolument pas le droit de reprendre la moindre sauvegarde pour faire un reset. C'est le cas pour cette mission finale. Du coup, j'en ai profité pour repartir avec mes 6 hommes. Voilà, j'ai fait un reset de mission et on va essayer dans cet épisode de faire quelque chose d'à peu près correct, voire de correct, même pour une fois. On est dans la mission finale, j'ai pas forcément l'escouade la plus gradée qu'il soit. Et c'est pour ça qu'il est important que je passe les prochaines minutes dans de bonnes conditions. On va donc avancer. Alors pour cette première pièce, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a un mur ici, donc les aliens ne vont pas venir m'embêter. On va regrouper tous nos hommes ici. Alors on va regrouper absolument tous nos hommes sur cette case là. Il n'y a pas de souci avec le sprint. On risque rien au début, on risque absolument rien dans cette pièce. Donc j'avance. Sniper, je le mets derrière. Donc vous avez regardé, j'espère, l'épisode précédent. On est dans la mission finale, il faut absolument que j'arrive au bout avec Momo vivant. Momo qui est l'élu de cette mission, allez savoir pourquoi. En tout cas, toujours est-il qu'il m'a demandé de le garder vivant. Et on l'a tué dans l'épisode précédent, c'était même pas moi qui l'ai tué, c'est un de mes hommes en fait, tout simplement, qui a paniqué et qui lui a foutu un tir en pleine tête. Et du coup c'était assez chaotique. Donc voilà, un petit reset pour repartir sur de bonnes bases. Ce sera nettement mieux. Allez, on y va. On y va. Donc ici, normalement, il devrait y avoir un contact. Arme au point. Voilà. Ok, pas de soucis par rapport à ça, c'est bon. On est sur du 75%, ce qui est pas mal du tout. Ce serait bien de commencer avec un bon tir. Voilà, quand ça commence comme ça, généralement... Généralement, c'est bon signe, quand ça commence comme ça. Ok, donc on va se déployer juste ici, tout doucement. Là, c'est pareil, on va se mettre là. Position défensive, je vais attendre le prochain tour. Toi, tu vas te mettre où? Est-ce que tu peux te mettre là sans faire un contact? Ça m'étonnerait. Toi, j'ai pas envie de te bouger, toi non plus, t'es pourri. Ok, ben voilà. Alors, on va attendre, on va avancer tout doucement. Je vous dis, il faut vraiment que ça se passe bien cette mission. Hop, donc là ils vont sûrement bouger, les aliens. Fait face, voilà, ok, parfait. Au premier effort des éthérés, super. Au premier échec. Même doués d'une certaine intelligence, ils sont entachés par leur lâcheté et leur fragilité, qui les ont rendus cruels. Et finalement, inutiles. Ok, donc c'est ici que ça se complique un peu, puisqu'on va sûrement faire un contact. Même pas, nickel. Ah là, c'est parfait. Là, c'est parfait, on peut positionner nos hommes. Alors, c'est peut-être celui-ci qui va faire un contact. Alien repéré. Voilà, c'est celui-là qui fait un contact. Un bon petit réflexe. Oh, tu l'auras jamais. Oh, si, tu l'as eu, 9 en plus. Oh, tu l'as bien dégommé avec ton fusil à pompe. C'est génial ce que tu nous as fait. 55%, c'est pas énorme. Avec un peu de chance. Magnifique. Et là, son compte. Alors, il n'y a rien à dire, quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Donc on positionne tout simplement nos hommes. Voilà. Là, on va les mettre sur les côtés par contre. Ok, nickel. On les positionne, on va attendre parce que... On sait ce qui va se passer ici, hein. C'est l'alien qui va venir directement nous chercher. Voilà, on se met là. On va attendre. Toi, j'aimerais bien... Attends, tu peux pas bouger ton gras, toi, ce serait sympa. Voilà, si tu pouvais te mettre là, nickel, merci. Et toi, tu te mets ici. Voilà, parfait. Ok, ça devrait le faire. On devrait voir des aliens bouger, mais il va y avoir du tir réflexe. Une autre tentative, plus éclairée cette yes. fois. Deux sujets, souffrant chacun d'une tare flagrante. Rassemblés dans l'espoir d'engendrer oh une force symbiotique. Non, c'est nul ça. Hélas, ce nouveau pouvoir les a privés d'intellect et de raisonnement. Qu'est-ce que tu fais? Un effort futile.
On perd 3 points de vie. Voilà, donc ici c'est parfait, on est en pleine position pour sniper, 100%, on peut essayer de faire un tir à la tête, ça nous fait 65% de critique, ce serait génial. Allez, vas-y. Parfait, one shot. Exactement ce qu'il faut. On est vraiment dans de bonnes conditions, là. Là, on est à 45, c'est vraiment pas assez. Là, le sniper, il a même pas de vue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les déplacer, évidemment. Vous en doutez bien. Ennemi repéré. Aïe, ça c'était pas prévu au programme. 40%, 40%, 40%, c'est vraiment pas bon. Il n'empêche qu'on va quand même tenter notre chance. Allez, on tente notre chance. Dommage, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin, donc du coup ça t'a libéré le champ de tir 58%. Avec un peu de chance, ce serait pas mal. Hein. Franchement, ce serait bien même. Super. Super ce que tu nous as fait. Du coup, il en reste un ici. Donc là, c'est pareil. Il faut se déplacer, tout simplement. Hein. Ok, t'envoies deux. Comment ça se fait que t'envoies deux? Ah, t'envoies un ici, t'envoies un là-bas. On va essayer le petit 38%. Il y a peu de chance, mais bon. Voilà, généralement, tout ce qui descend, c'est 50%. On n'a jamais eu de chance. 65, c'est pas mal avec un peu de chance. Yes, bien ennemi joué. Pacifié. Super bien joué. Et toi, il t'envoie un à 45%. On va croiser les doigts. Et ben voilà, parfait. Je vais commencer à les compter. J'ai l'impression qu'il y a une soucoupe derrière. Ça va, ça peut faire mal la soucoupe. Ça peut faire très mal. Croise les doigts. Ok, la soucoupe est bien là. J'ai peur qu'elle fasse des ravages. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace. Elle se cache. Elle est où? Ok, est-ce que tu la vois, toi? Personne ne la voit. Hein. Personne ne voit cette mystérieuse soucoupe. C'est pas forcément un inconvénient, puisque si la soucoupe se déplace ici, de toute façon, elle va se faire allumer, mais bien comme il faut. Donc à la limite, je préfère. Regardez ce qu'on va faire. On va jouer la stratégie. Toi c'est pareil, tu restes là. Toi c'est pareil, tu restes là. On va l'attendre. On va l'attendre, de toute façon c'est ce qui marche le mieux, donc pas de souci. Bon par contre évidemment il va pas falloir qu'elle nous balance une grenade, sinon pour le coup on serait dans la merde. Et avec un peu de chance ma stratégie va marcher. On va l'attendre dès qu'elle se libère. Ok super. J'ai raté la cible. Il en reste 2 points de vie, c'est pas grave. Regardez ça, ils ont tous tiré, ils ont tous loupé. Alors évidemment, c'est pas bon pour les affaires. Yes, elle va nous péter à la tronche. On se reverra en enfer. Mon arme sera bientôt vide. Même pas, ok, super, bon mais c'est parfait. C'est parfait, ça nous fait 2 secoupes, 2 trucs, normalement on est bien là. Normalement on est bien. Toi c'est bon, toi je recharge. Chargé et paré. Toi je recharge. On peut y aller. Toi je te laisse comme ça. Toi je recharge aussi. J'ai rechargé. Et en avant le massacre. Toi aussi, toi tu restes en vigilance. Et toi tu restes en vigilance. Bon, vous voyez pour l'instant la stratégie se passe très très bien. On va essayer de faire comme ça au fil du temps. Pour ben voilà, pour que ça se passe vraiment bien. Donc toi tu vas aller là-bas. Normalement il n'y a plus d'aliens. Oh ah, je les avais oubliés ces deux là effectivement. J'avais oublié qu'il y avait deux aliens ici. Bon ça va, il risque rien de toute façon. Lui il n'y a pas de souci avec ça. Toi tu vas te mettre là. Ça c'est bon. Parfait, tu restes en vigilance. Toi c'est pareil, il faut que tu ailles au corps à corps. Ok nickel. Toi le sniper. Non le sniper il faut que tu te positionnes beaucoup mieux. Ok parfait. Et toi c'est pareil sauf qu'on va te positionner ici pour le prochain tour. Voilà il en reste un. C'est pareil on va le mettre ici. Ok ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ils vont sûrement essayer de bouger un peu. Ah, rien? Bon, ok. Soit. On va aller les chercher alors, du coup. On va aller les chercher. On y va.
Ok. 70, 70, c'est pas mal du tout. J'opterais bien pour celui-ci, avec un peu de chance. Oh non, 70 c'était énorme pourtant. C'est pas vrai, l'ennemi respire encore. 88. 88 c'est pas mal du tout. Yes! Alien neutralisé! Super bien joué. Et du coup il reste lui. Lui c'est pareil, si on pouvait essayer de l'aligner ce serait pas mal. Fusillade permet de tirer après un sprint. Donc tu peux te mettre au corps à corps, c'est parfait, regardez ça. Poursuivez-les! Donc on fait un sprint, on se met juste sous ses fesses et on lui explose la tronche tout simplement, il n'y a pas de mystère. Hop, un bon 100%. Et voilà. Cible éliminée. Réglé. Voilà, ça c'est de la bonne stratégie, ça se passe bien pour l'instant, on en profite, tant mieux. Et du coup, bah toi tu vas monter, tu vas prendre un peu d'avance. Le boss Funky qui est le seul à avoir une arme laser d'ailleurs, ce qui est pas forcément génial. Mais il va falloir faire avec, hein, de toute façon. Alors, toi t'as rien à faire. Toi t'as fini, ce serait bien que tu remontes. Hop, voilà, parfait. Et toi, t'es le dernier. Ok, on passe le tour. Bon, vous voyez, pour l'instant, ça se passe très très bien. Pas de problème de stratégie. Je voudrais vraiment appliquer celle-ci à la lettre jusqu'à la fin. Alors, normalement, je suis en mesure de te faire avancer jusqu'ici sans de contact. Yes. Ok, position défensive, c'est parfait. Tu resteras là tout le temps. Toi, c'est pareil. On va te mettre là. Ok, très bien. On va avancer tous nos hommes, donc là on risque vraiment plus rien, donc on en profite. Ok, sniper c'est pareil, il faut le faire venir. Ça c'est bon. Et alors toi, à la limite, tu pourrais te mettre là, comme ça au prochain tour t'avances, ce serait pas mal. Ouais, tu vas te mettre ici. Tu vas rester bien en fufu. Nickel. Et toi, bah toi je vais te mettre ici. Voilà, parfait. Quand ça se passe bien comme ça, j'achète tout de suite. Alors, on y va. On fait un contact. Jusque là, rien de méchant, c'est prévu. Ennemi en vue. L'espoir. Oh purée, je l'ai pas fait avec le bon. Aussi formidable que décevant à nos yeux. Voilà, là par contre c'est une erreur de stratégie. Capable d'évoluer physiquement. Il a reçu la force d'une machine qui l'a changé en tueur, sans merci et sans peur. Un sort pire que la mort. Toi ce serait bien que tu puisses ouvrir cette porte. Alors il peut pas l'ouvrir. Ça c'est quand même incroyable ça. Tu peux pas ouvrir la porte. Mais non, pas aucune cible. Je te demande pas de tirer, abruti. Je te demande d'ouvrir la porte. Bon, il peut pas ouvrir la porte, ce qui fait que c'est assez délicat. Aïe. C'était pas prévu au programme ça. Ok, tu l'as. 75%, c'est pas mal. En même temps, il est juste là, donc je ferais bien. Bon, on va essayer quand même avec le 75%. Bien joué. Il est sans compte. Super bien joué. Donc là c'est pareil, on se positionne ici. Ok, nickel. Ça devrait bouger. Et le sniper, on va le mettre ici. Nickel. Et toi, bah toi tu vas attendre, c'est pareil. On va attendre que ça bouge. Un petit pistolet laser, on va le mettre là. J'ai pas envie de faire de contact dans ce tour là. Et voilà, ok. Donc, ça c'est bon. Il faut que je fasse un nouveau contact. Ouais, j'ai pas le choix, on va faire un nouveau contact. On va le faire en haut parce que je sais qu'il y a un alien qui est là-haut. Donc, toi. Non, pas toi, toi non plus. Toi non plus. Toi non plus, toi non plus. Ouais, bah ça va être toi. Allez, fais-nous le contact. On sait qu'il y a un alien qui se trouve juste contact ici. Ennemi confirmé. On a déjà fait la mission, hein, je vous le dis. C'est une mission qui a déjà été réalisée. Alors, tu nous fais un combien? 65, c'est pas mal, 65. J'aimerais bien voir le sniper, c'est tout. Yes, le sniper, 98% avec un tir en pleine tête. Ce serait super. 75% de critique, on peut le one-shot.
On peut le one shot. Et on l'a one shot. Il a son compte. Top, rien à dire. C'est nickel. On sait qu'il y a exactement la même chose ici. Donc c'est pareil, on va positionner nos hommes. Notamment notre sniper. Il est où? Donc toi en bas tu sers pratiquement plus à rien. Il est où notre sniper? Je peux plus le bouger. Il est là. On va essayer de le positionner ici. Voilà, comme ça au prochain tour tu pourras sniper, c'est parfait. Toi c'est bon, tu vas rester en vigilance. Toi on te laisse là. Toi c'est pareil, tu restes en vigilance. Et toi par contre ce qui serait bon c'est que tu reviennes un peu sans faire de contact. Nickel. Nickel, nickel. Il reste toi, toi, toi. Il y a une bestiole qui va apparaître ici. On te laisse là. On aura besoin de toi. Ok, parfait. Ok, super. Pour l'instant, tout se passe bien. On continue. On va faire exactement la même chose. Donc, on va avancer pour faire un contact avec notre mec qui est ici. Hop là. Allez, contact. Les yeux sur la cible. Voilà. On sait, pas de problème, c'était prévu. Alors par contre, il s'est mis contre le mur ici, du coup je le vois plus, c'est assez embêtant ça. Plus personne ne le voit. À part toi. Donc ça sert à rien. On te fait reculer. Il va bouger tout seul comme un grand. Donc on va l'attendre. Sagement. Je te mets là. Comme ça, quand il remontera, tu seras parfaitement aligné. Pour lui mettre une balle en pleine tête. Toi aussi c'est pareil. Hop. Hop. Et toi aussi. Pardon, c'est pareil. Et toi toujours pareil, on attend puisqu'on sait que derrière il va y avoir un alien qui va apparaître. C'est l'avantage d'avoir déjà fait cette mission. Raté. J'ai raté la cible. Qui d'autre? Raté. Vous avez pas tous raté quand même. Raté. Ah ben voilà, il y en a bien qui l'a eu. J'ai raté la cible. C'est le sniper qui l'a eu. Ça a été difficile, dis donc. Ok, parfait. On continue. On refait exactement la même chose. On va se faire un contact ici. Oh, j'ai pas établi le contact, tiens. Pourtant, j'étais persuadé qu'il allait en avoir un. C'est étonnant, tiens, cette histoire. Peut-être au prochain tour. On peut attaquer. Voilà, ils sont là les contacts, ok. Ouh là là, joli tir réflexe. Super. On se reverra en enfer. Oh mais c'est génial, là j'ai vraiment une équipe qui est au taquet. Ça fait plaisir. Et toi, je devrais pouvoir te sniper. Yes, 68%, c'est pas énorme. 68%, t'as combien de points de vie? T'en as que 4, j'ai pas besoin de faire un tir à la tête. Aïe, il a loupé. Alors là par contre ça peut faire mal. Là par contre ça peut faire mal, toi je t'attends, je sais qu'il va y avoir un alien derrière. Aïe, oui, là par contre c'est pas bon. Là évidemment c'est pas bon puisque... Aïe 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 aïe, on est à combien? On est à 55%, le truc c'est que je t'ai déjà fait déplacer. Bon de toute façon je vais pas avoir le choix. Allez, sauve-nous les fesses. Bon, ok, on est mal barré là par contre. Merde. Là on est mal barré. 50% une chance sur deux, on croise les doigts. Yes! On se reverra en enfer. Ok, super. Super, super. Du coup, je vais positionner le sniper où il faut. On va le mettre ici. Attention à Momo, hein, c'est lui qui doit survivre absolument à la mission. Voilà, normalement, il va nous faire apparaître. Voilà, ok, il le fait apparaître ici, une pas de problème. Curieuse entreprise. La quête du don dans le blé. Primitif des êtres. Et on avait donc prévu le plus avec lui. Ils sont devenus les plus dangereux des prédateurs par leur échec. Incapables de jugement ou d'entendement, leur unique ambition est de procréer, puis de mourir. Ok, parfait. Disqualifié. On va faire la même chose pour l'autre, puisqu'on avait prévu notre soldat. Hein. Là, il est là. Donc on se met au corps à corps. Hop. Pas de problème, c'était prévu. Et on lui éclate la tronche avec un beau 100% de réussite. Et voilà. Nickel, parfait. On a la même chose de ce côté-là, donc on se méfie quand même. 89%, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière pour te couvrir au cas où?
Bon, toi, il faut que tu restes en vigilance. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a toi. Quand même essayer de t'aligner de haut. Ça m'évitera de descendre. 85%, c'est pas mal. 85%, c'est même top. Super. Notre quête fut longue. Et maintenant que la victoire nous tend les bras, nous découvrons les fruits de nos efforts. Ok, c'est pas mal du tout. Donc toi, tu vas remonter en haut. Normalement, il n'y a plus d'aliens. On est tranquille jusqu'à la prochaine salle. Ok. Il me faut un mec en bas. Un sniper. Il me faut lui. Il me faut le mec au corps à corps. Ok. Parfait. Bon, la mission se passe très très bien pour l'instant. Ça va se compliquer évidemment à partir de la prochaine salle. Non, pas la prochaine. Parce que la prochaine, c'est encore des allumettes. C'est après. C'est les Goliaths. On sait que la prochaine salle, c'est des Goliaths. Puisque bah, c'est là où on a perdu dans... On y va! Dans l'épisode précédent, on fait des recharges. On repart à l'attaque. Voilà, on se remet à fond, c'est des salles qui nous permettent de recharger. Je suis prêt à y aller. Et toi, par contre, il faut que tu ailles au corps à corps ici. Donc tu vas remonter. Voilà, tu vas repasser par là, nickel. Ok, parfait. Suivant, c'est toi. Bah toi, tu peux avancer, pas de problème. Tu peux te mettre là. Voilà. Du coup, t'as un peu d'avance, donc tu vas attendre. Ok, super. Donc, mon petit sniper, tu vas te mettre ici et tu ne bougeras plus du tout pendant très longtemps. Puisque, bah voilà, j'ai vraiment besoin que tu fasses attention à tes miches. Toi, par contre, tu peux avancer. Normalement, tu devrais même pouvoir avancer jusqu'ici sans trop de problèmes. Voilà, parfait. Toi, c'est pareil. Je pense que tu peux avancer jusqu'ici sans trop de problèmes. Nickel. Tu restes en vigilance. Et toi, le sniper, j'ai besoin de toi. Ouais, j'ai besoin de toi en bas. J'ai besoin de toi en bas. Ok. Et c'est pareil pour toi, j'ai besoin de toi en bas. Voilà, on va positionner nos hommes pour la prochaine salle. Ok, parfait. Toi, tu peux avancer un peu, il n'y a pas de souci normalement. Voilà. Ok, très bien. Ça va commencer à être un peu plus tendu à partir du prochain tour, puisqu'on sait que dans cette salle-là, il y a des allumettes. Et pour le coup, donc Momo, tu restes très très loin. Je veux vraiment pas que tu te fasses aligner. Voilà, donc on va avancer. C'est parti, on y va. Toi, tu nous fais vraiment un slalom assez bizarre. Alors, t'as capté personne. Qu'il en soit ainsi. Ah, ça sent pas bon pour le coup. Feu à volonté. Ah, okay. Un être d'une intelligence et d'une loyauté exceptionnelle, facilement adapté à nos besoins. Mais, malgré de grandes promesses, il n'a pas su embrasser le don. Encore un échec. Ok, toi tu restes là. Et toi tu vas le rejoindre. Voilà, tu lui colles au miche. Parfait, 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 parfait. Ok, on croise les doigts, ça devrait le faire. S'il bouge, de toute façon on a des tirs réflexes, c'était prévu. Super. C'est plus une menace. Il doit nous rester encore un tir réflexe derrière. Même pas besoin. Et ben voilà, parfait. Ok, quand ça se passe comme ça, généralement... C'est pas mal du tout. Donc ici on a une porte qui normalement est fermée. Avec une allumette derrière. Bon voilà, on est tranquille. On reste quand même là, on sait jamais. Ok, c'est là où ça se complique un peu effectivement. Ok, là c'est bon, tu restes en vigilance. Toi tu peux te mettre ici, pas de soucis. Tu restes en position défensive. Et toi tu vas te mettre ici. Oh, tu envoies un, tiens. 45%. 45%, c'est pourri. Pourri, pourri, pourri. Je vais te décaler. Voilà. Ça, c'est parfait. Mon petit Momo, bah du coup, tu... Non, tu vas rester là. Hein. Tu vas rester là. Tu dois survivre. Et toi, c'est pareil. Tu vas pouvoir te mettre
ici. Ici, ce serait pas mal. Yes, comme ça, s'il arrive sur la gauche, tu le butes et on n'en parle plus. Il va d'ailleurs sûrement arriver sur la gauche ou sur la droite, un des deux. Voilà, sur la droite, ok. Parfait. Il est mort, je confirme. Parfait, les gars. Nickel. Ok, nickel. Allez, on y retourne. On y retourne. Donc, normalement, il n'y en a plus. Parfait. On reste quand même en vigilance, évidemment. On prend pas de risque. Voilà, on va se positionner ici. C'est à partir de là où ça se complique terriblement. Alors, on sait que derrière, il y a une... Il y a une allumette. Donc, on va rester en vigilance ici. Hop. Et on ouvre la porte. Et normalement, il va se faire sniper. Je dis pas de bêtises, il s'est fait sniper. Les yeux sur la cible. Ok, attention. Voilà, il se fait sniper. Et voilà, parfait. Voilà, c'est vraiment de la stratégie au poil. Elle est nickel. Là, on peut pas faire mieux pour l'instant. On peut vraiment pas faire mieux. Donc tu peux rentrer, il n'y a plus personne, t'es tranquille. Et voilà, donc c'est à partir de là où les choses terribles commencent, puisque vous l'avez vu dans l'épisode précédent, c'est là où j'ai perdu. Alors je me suis pas fait buter par un alien. Je vous dis, c'est un de mes soldats qui a paniqué et qui a buté Momo. Momo qui se trouve ici. Momo qui doit absolument survivre. Et ça se complique parce qu'il y a des Goliaths et on commence vraiment à taper dans du haut niveau. Donc il faut à partir de maintenant que ça se passe plutôt bien. Ok, bon. Bon, là on se prend pas la tête, on positionne nos hommes tout simplement. Il n'y a pas 36 000 façons de jouer. Voilà, on les positionne ici, pas de soucis. Positionne là, ça sent que je pourrais me mettre en fantôme, mais j'ai pas besoin de me mettre en fantôme puisque je sais exactement ce qui se cache derrière cette pièce, évidemment pour l'avoir déjà fait. Donc là c'est pareil, tu te mets en sniper, quoique tu pourrais te mettre un tout petit peu plus près, genre ici. Ouais, ici ce serait pas mal. Voilà, comme ça dès que ça va bouger, et on sait que ça va bouger, tu pourras sniper, c'est parfait. Toi tu te mets là, au corps à corps, nickel. Voilà, ça c'est parfait. Quand ça se passe comme ça, ça me plaît. Lui c'est bon. Ok, let's go. Et alors toi c'est clairement mon gros souci. Peut-être te mettre ici. Il faut vraiment pas que tu te fasses aligner, toi. Toi, il faut que tu restes caché bien comme il faut. Bon, voilà, c'est à partir de ce tour-là où je suis mort dans la mission précédente. Donc, j'avoue que pour le coup, c'est assez flippant. Est-ce que t'as un visuel? Est-ce que t'as quelque chose? T'as rien du tout. Bon, toi, évidemment, tu restes en snipe non-stop ici. Tu sais que ça va bouger. Misère. Ok, toi tu restes en vigilance aussi, on sait que ça va bouger. Il faudrait que tu fasses un contact. Allez, vas-y. Contact ennemi confirmé. Voilà. Parfait, on fait contact. L'espoir affronte une menace plus grande encore. Oh, joli ça, très joli. Une force rare, issue d'une race facilement manipulable. Oh, très très joli ça. Puissant, mais dénué d'intelligence et d'autonomie. C'est super ce que tu veux faire. Ils ne seront jamais plus que des guerriers primitifs, vivant seulement pour se battre et mourir. C'est super ce que tu viens de nous faire. C'est réellement super. Ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Donc tu peux pas descendre puisqu'il y a lui qui va t'attendre si jamais tu descends. Donc c'est nickel. Et en haut, j'arriverai pas à t'aligner sur ce tour là, mais je pense que je pourrais t'aligner sur le prochain tour. Si t'as le malheur de bouger mon coco, je peux t'assurer que t'es dans la mouise. Ok, toi tu restes là, tu bouges pas, on va l'attendre. Là c'est super ce qui s'est passé. Allez, bouge. Essaye juste de bouger un peu, tu vas voir.
Ok. Bon. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, je vais me mettre en fufu. Un coup tu me vois. Ok, si je pouvais me mettre juste ici. Il est où ce bête? Ah il est où, il est où? Il est pas là? Ah ça c'est parfait ça. Ça c'est top parce que du coup on peut sortir l'artillerie lourde. Voilà, toi tu bouges pas, tu l'attends ici, surtout tu ne bouges pas. Je veux pas le savoir. Et on va les positionner un par un ici, c'est parfait. Je pouvais pas espérer mieux comme plan d'attaque. Comme ça il va bouger tout seul comme un grand et il va se faire aligner. Toi c'est pareil, tu bouges pas, je veux pas t'entendre bouger. Et toi tu te mets là. Et voilà, nickel. Allez, au prochain tour, normalement, il se fait aligner. J'espère, j'espère, j'espère. Il bouge, il bouge. Allez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je m'en suis occupé. Yes. C'est top. On peut pas faire mieux, c'est top. Stratégie parfaite. Ok, on continue dans cette optique de faire une stratégie parfaite. On y va. Ici, on sait qu'il n'y a plus rien. Donc, je... Je pense que l'on peut y aller tranquille. Quoique toi t'as besoin d'être au corps à corps. Donc bon. À la limite tu peux te mettre là normalement. Ok parfait. Là le problème c'est que si je mets là, je vais faire un contact avec le Goliath qui est là-haut. Alors que mon sniper est pas positionné. Voilà sniper ici. Attendez, attendez, que je fasse pas de bêtises. Je suis vraiment là, vraiment très très à cheval sur ce qui va se passer dans cette pièce. Ok. Quitte à attendre un tour de plus. Ouais, j'aimerais bien te positionner là-haut, toi. Snipe, snipe, snipe. Ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. Bon, on y va. On y va, on y va, j'espère que ça va bien se passer. Ennemi repéré. Ok, on a fait le contact, c'est normal. Je vous dis, pas de soucis jusque là. Je m'attendais pas à ce qu'il aille si haut par contre. Il nous fait un bon 73, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va qu'au corps à corps. Il va que au corps à corps. Donc il peut sans problème aller au corps à corps et nous défoncer un par un. Ce qui serait pas terrible. Aïe. Aïe 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 aïe. Toi tu vas le couvrir. Attendez, 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 on est vraiment dans une stratégie à part pour le coup. Balancer une grenade ne servira à rien, tu lui ferais perdre que 5 points de vie. Voilà, je te mets là, je te mets en vigilance. Comme ça tu vas l'aligner. Toi par contre faut que tu bouges. Je suis bien tenté par l'aligner, le problème c'est qu'au prochain tour il va venir me casser la gueule. Ouais non je vais pas faire ça. Je vais opter pour une autre stratégie. Oh purée, quel abruti, j'ai pas cliqué où il fallait. J'ai bloqué l'avenue de mon sniper du coup. Sniper qui est ici. Ah zut, ça c'est très mal joué ça. Ah pour le coup j'ai mal joué. Mince, j'espère que ça va pas me coûter cher sur ce tour là. Ok, là c'était prévu, pas de problème. Toi tu l'alignes aussi. Aligne-le toi. Voilà. Allez, éclate-lui la tronche. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, c'était pas prévu comme ça. Hein. Je voulais vraiment... Ah, je voulais mettre le sniper derrière. Qu'est-ce que tu fais? 15. Oh, t'as pris cher là. 15 points de vie. Il te reste 1 point de vie. Dis donc, t'as failli... Oh, t'as failli passer mon cochon. On peut dire que t'as de la chance. Allez, éclate-lui la tronche. Ok, parfait. On se reverra en enfer. Bon, par contre, du coup, il faut que je te soigne, hein, puisque t'as plus qu'un point de vie. Bon, ça s'est bien passé. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ok, il faut que je te soigne. Voilà, parfait. 6 points de vie en plus. Bouge pas, ça va aller. Nickel. Donc, on sait qu'il y a des Goliaths sur la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner intelligemment notre sniper ici. Comme ça, quand ils bougeront, ils se feront aligner un par un. C'est parfait. Non, c'est top. Alors toi, le problème, c'est que t'as un fusil à pompe. Donc c'est principalement du corps à corps. Pour le coup, tu vas me servir à rien. Le boss Funky, c'est pareil.
va se méfier qu'il fasse pas de contact bêtement. Et on va positionner notre sniper. Ouais, j'ai peur que tu fasses un contact. Ne fais pas de contact. On va passer le tour tranquille ici. Hop, hop, ok. Je reste encore avec vous quelques secondes, le temps d'éliminer les deux Goliaths qui est à droite, qui nous ont tués dans l'épisode précédent. Voilà, c'est ici où ça se complique. On est d'accord. Il a pas fait de contact, c'est génial. Il a pas fait de contact, donc c'est absolument parfait. Limite, tu pourrais te mettre là, tiens. Voilà, top. Et toi, c'est toi qui vas faire le contact. T'as des points de vie, t'as tout ce qu'il faut, ça me va. Donc tu restes là. Toi, tu restes là. Et toi, bah toi, le problème, c'est que... Allez, essaye de remonter là-haut. Mais ne fais pas de contact. Yes. Toi, c'est pareil, tu vas te positionner ici. Et voilà, normalement, au prochain tour, c'est bon. Normalement, au prochain tour, on est bon. Alors, voyons voir ça. Tac, 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 il va se mettre ici. On devrait pouvoir les aligner, ça serait pas mal. Ouais, ok. Bon, ben, on y va. On y va, on fait un contact. Ennemi en vue. Voilà, pas de soucis, c'est prévu. Donc tu as du 40 et du 60. 60 c'est pas mal. Ah, on peut peut-être faire du contrôle mental. Non, on peut pas. On peut pas. Panique. Contrôle mental. Aucune cible disponible. Bon, c'est pas grave, on va le sniper. Ah oh, 68%. 68% il est pas mal. Le 48 est un peu plus délicat. Ouais, ça m'embête ça. Ça m'embête parce que du coup il s'est quand même bien positionné le cochon. 40%, j'espère qu'on va pas se faire aligner. Limite tu pourrais te mettre en fantôme. Ah, mets-toi en fantôme. Je disparais. Voilà, t'as disparu, personne te voit, tu restes en vigilance, tu restes tranquille, tu bouges pas. Voilà, c'est parfait, c'est ici que ça va jouer. Donc là on nous fait du 58% avec un tir en pleine tête, ce serait pas mal, non pas lui, l'autre. Ou alors non, on essaie plutôt de viser l'autre. Ah putain, c'est pas vrai ça. On va essayer le 68%, on essaye le 68% avec un tir en pleine tête. J'espère que ça va le faire. Yes, il l'a eu. Occupé. Oh super. Toi du coup c'était pas prévu comme ça, mais alors pas du tout. Là j'avoue que pour le coup c'est pas intéressant. On va donc essayer lui, tant pis. On fait un tir, 38%. Ouais, c'est dommage. J'ai raté la cible. Bon, du coup, on va bien se faire aligner, à moins de venir au corps à corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, ça fait combien de dégâts? Prêt pour la baston. Oh putain, j'ai rechargé. Ok, bon, j'ai fail. Je voulais taper un sprint ici au corps à corps et le buter. J'ai fail, mais alors bien comme il faut, là, je suis un abruti. Là, c'est clairement une très 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 mauvaise stratégie que je viens d'appliquer. Je suis un abruti fini. C'est pas vrai que je viens de me coûter peut-être la mort d'un de mes soldats. Qu'est-ce que tu fais? Il se barre. Il s'est barré l'abruti. Aïe, c'est moi qui étais bête pour le coup. Là vraiment, là j'ai merdé. Là. Bon, on va l'attendre, on sait qu'il va remonter de toute façon, donc pas de soucis. Ah là là là, je pouvais le tuer en plus, hein. C'est vraiment dommage ça. On va attendre qu'il remonte. On va positionner nos snipers, donc on va les positionner où il faut. Attention, parce que là il y a une pièce que je connais pas, j'ai pas du tout envie d'attirer de nouveaux monstres ici. On va essayer de... Pourquoi pas de te mettre là. Ok, on va les attendre ici. Toi tu bouges pas. Alors toi il faut que t'avances par contre, à l'inverse. Méfie-toi quand même, il a plus beaucoup de points de vie. Et toi c'est pareil, toi mon ami. Essaye de te mettre là. Ok, on va l'attendre, de toute façon il va arriver.
Je pense pas qu'il ait l'intelligence de faire le tour. Ok, méfiance avec Momo, il faut pas que je le perde bêtement. Et il bouge pas, hein. Il bouge pas le cochon. Il veut qu'on aille le récupérer, quoi. Bon, on est quoi? On est quoi? On est 2, 2, 2, 2, 2. Si je te mets là... Ouais, je vais te mettre ici. Tu le vois ici? Il s'est barré? Non. Il s'est barré? Alors celle-là, elle est pas mal du tout. Il va pas faire le tour, quand même. Celle-là, elle est pas mal du tout, j'avoue. On vous aurait exceptionnellement un épisode plus long que d'habitude. Il a pas pu se barrer, c'est pas possible. J'y crois pas. Il s'est barré? Il l'a fait exprès, le cochon. Bon, toi, tu vas pas y arriver. Tu vas te mettre ici. Ah, j'en reviens pas qu'il se soit barré, quoi. Momo, je suis pas rassuré. Momo, je suis désolé, mais là, je suis pas rassuré du tout. J'espère que... Ok, remonte là-haut. De toute façon, tu risques rien. On l'a pas vu, il s'est barré. Il s'est fait la malle, le cochon. Il s'est fait la malle. On est à combien d'épisodes, là? Ah ouais, on est trop. Ok, bon, on va arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, ça se passe très très bien. Pour l'instant, on est complètement à l'opposé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. On a rejoint exactement la même zone, sauf que cette fois-ci, on y est arrivé. Il y a un Goliath qui s'est fait la malle par là. Donc on va être obligé dans le prochain épisode de le courser, évidemment, pour pas laisser un alien derrière soi. Et puis, on continuera à avancer jusqu'ici pour voir un peu ce qui se passe, en espérant que ça se passe plutôt bien. Allez, à la prochaine, salut à tous.